Can you help me say hello guys, let's discover some Romanian street art. Salut, să descoperim niște street art românesc. Salut, ne descoperim niște street art românesc. Is it good? No. Bonjour à tous, alors je suis à Gennevilliers et je vais passer ici l'après-midi avec l'artiste romain Sado qui est en train de peindre un énorme mur dans le cadre de la valorisation des abords de la construction d'un bâtiment qui a été permise par l'assaut K36. Donc l'idée c'est de le regarder travailler, peindre, de discuter un petit peu avec lui sur son travail en général et aussi de discuter, j'irai discuter un moment avec Hugo qui est directeur de la prod de l'organisation K36 qui ont plein de projets en partenariat avec de nombreux street artistes français pas que et il va nous expliquer un petit peu comment ils mettent en place tout ça. Mais dans l'immédiat, je propose qu'on aille tout de suite voir Sado au travail et ce très très beau mur. Allez, c'est parti. Can you first introduce yourself? I'm Sado, I'm from Romania. I currently live in Bucharest, which is the capital of Romania. Yes. I've been doing this for 10 years already. Okay. Sometimes I paint murals, but not just this. I'm also an illustrator and sometimes I do art. So this is really a lot of nature, animals, wildlife. I've seen it a lot in your works. Where did you get this style from? I mean, what were you influenced by? I really liked these illustrations, like naturalistic illustration, like Charles Darwin, for example. He went on a trip with the beagle, okay. And they had an illustrator with them. And also, this artist, I think he's American, Walton Ford, is pretty famous. His work is mostly really big watercolors of animals and birds. Ça va Hugo? Bah écoute, très bien, bon. Avec plaisir. On est à la moitié là, plus ou moins, de l'avancement de Sado. Mm-hmm. Bon, on va pas se mentir, si on a la chance de l'avoir à Paris, en France, pour la première fois, c'est un peu grâce à toi et tes collègues de K36. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi c'est le cas? Alors nous, en fait, pour dire ça simplement, on est des producteurs d'art urbain. D'accord. Et donc, on travaille avec une centaine d'artistes qui viennent à la fois de la France, mais comme tu le vois, là aussi de l'international. Ouais. Et ce qu'on s'occupe de faire, c'est effectivement soit de mettre en valeur des lieux, des espaces. On travaille beaucoup avec le monde de la promotion immobilière, notamment sur les palissades de chantier, pour changer le regard que les gens peuvent avoir sur un chantier. Et donc, le but, c'est aussi de démocratiser l'accès à l'art et de se dire que c'est pas réservé uniquement aux galeries et aux musées, mais que ça peut être aussi accessible dans des endroits auxquels on n'aurait pas pensé. Sado, c'est un artiste qu'on a repéré notamment grâce à Instagram. Il a un traitement en fait d'œuvres qui s'inspirent de la nature. Donc tu vois, on peut retrouver un chamois, un lapin, enfin voilà, pas mal d'animaux qui sont assez représentatifs du patrimoine français. Et nous, on trouvait ça intéressant de pouvoir inviter Sado à intervenir ici puisque la tour qui va être construite par Nexity et Legendre, c'est une tour qui s'appelle la Villa Nova Icon. Et il y a en fait une omniprésence de la nature. Et donc à chaque étage, tu as énormément de terrasses. Okay. Ils ont créé des jardins partagés pour que les habitants en fait puissent faire un potager collaboratif. Ça vous plaît?
Some question about your homeland. Is Romania a nice place for street art? I think Bucharest is like a paradise for really? Graffiti writers okay. that paint on trains, on okay, subways. On I mean, I don't think the law is very, very strict. Okay. I don't think the policemen know what okay, what's okay. going on. I mean, I know people from all over Europe that come to Bucharest to paint wow, on trains. Okay. I think you don't just do this kind of ambient, you also do, I saw rappers. Lately I've been trying to, I don't know, do some different stuff, like more fresh maybe. Mm-hmm. Most of them are illustrations and they're a little bit more flat compared to this mural. One of the things that I like doing right now is I started this series of illustrations of rappers. I want to do like maybe 20 of them. And I want to also do like, I want to have a show with rappers and gangsters, drug okay. lords. I want to also paint some cars, like different types of cars, like, I don't know, like gangster cars from Jean-Pierre Melville movies.